Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Quand quelqu'un ne fait rien, il a dit à Dieu, ne me bénis pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tes mains font quoi? Quiconque a les mains qui ne font rien, il est disqualifié de la bénédiction là. Il dit, la raison pour laquelle il ouvre le ciel, il envoie la pluie, c'est pour bénir le travail de tes mains. Donc si le ciel s'ouvre et la pluie descend et ça trouve que tes mains ne font rien, tu peux vendre les vêtements, tu peux vendre. J'ai dit à beaucoup de personnes qui seulement me disent que je travaille, mais travaille de nom. Travailler, ce n'est pas forcément s'asseoir dans un bureau. Travailler veut dire que être capable de produire. Alors que tu travailles au bureau pour quelqu'un ou que tu travailles en ton compte, que tu vends au marché, pourvu que tu fasses quelque chose, dis amen. Alléluia. Si Dieu veut t'enrichir cette nuit, c'est dans quel domaine? Il trouvera ce soir que tu... Regarde, tu demandes à ton voisin, tu fais quoi? Les mains vides ne peuvent pas être bénies.